Bonsoir, bienvenue ce soir à une nouvelle émission de Pépite Or. On reçoit des stars ce soir, des stars du macadam. C'est Michael et Ben. Je laisse passer le générique et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc comme d'habitude, je vous laisse le petit disclaimer, regardez ça tranquillement. On est des traders, on est des amateurs, enfin moi surtout, les autres c'est des pros. Et faites attention, en aucun cas ce sont des conseils. Je vous laisse finir de regarder ça tranquillement. Voilà, on retrouve nos amis Mika et Ben. Bonjour, comment allez-vous, messieurs? Bah écoute, ça va, on fait aller, et toi? Ouais, ça va, j'ai repris, ça y est. Je suis revenu brillamment vendredi. Ça fait 15 jours, 3 semaines, j'étais dans les cryptos. Et là, j'ai repris brillamment vendredi. Apparemment, on nous reçoit bien. Hein, j'attends la confirmation. Est-ce que tout est bon pour vous? Ici, bon, tout bon, on me dira, je regarde tranquillement. Oui, alors, on voulait parler un peu de la psychologie. Parce que moi, j'ai repris. Et en fait, j'ai repris la première fois, je me suis dit, cette fois, je vais être bien carré, je vais être super. Je commence, je fais mon premier trade sur Solana, ça passe, pas de problème, super bien. Ma méthode, ça y est, c'est bon. Deuxième trade que je prends, je commence à descendre dans les unités, je reste dans les petites unités, je me perds dans le bruit, je veux faire du scalp, etc. Et en fait, je me demandais, c'est pas facile la psychologie quand même. Est-ce que vous pensez que la psychologie influence beaucoup dans votre stratégie, dans votre méthode, et est-ce que vous la tenez en compte? Bonne question. Ouais. Tu veux commencer, Ben? Ouais, ben, elle influe. Moi, je pense qu'elle doit déjà influer au préalable. C'est-à-dire que avant qu'elle nous influe pendant notre stratégie, il faut, à mon avis, déjà définir notre psychologie pour définir notre stratégie. C'est un peu ma marotte. Hein. Moi, j'ai toujours un peu fonctionné comme ça et pensé que fallait d'abord se connaître soi-même, connaître où étaient ses forces psychologiques, ses faiblesses psychologiques, et puis déterminer son mode de trading en fonction de ça. D'accord. C'est un peu ce que dit Christophe, ça, hein. C'est-à-dire que trouver, mettre sur une feuille de papier et dire, moi je veux ça, 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 parce que ça match avec ce que je suis, quoi. Et après, Voilà, c'est là c'est que tu ça. fais ta stratégie. Ouais, parce que moi, avec toutes mes interviews, je me suis aperçu, en fait, que, y a pas de formule miracle, quoi. Toutes les stratégies sont bonnes, il suffit de les suivre, quoi. Ouais, qu'elle soit en cohérence avec, avec nos forces et nos faiblesses. Ouais. Tu vois, c'est Ça, c'est. intéressant la question que tu poses parce que hier j'ai passé 4 heures avec Tino. Parce que comme les gens le savent maintenant, Tino il est avec moi sur le salon Discord là, que j'ai fait. J'ai parlé 10, 4 heures avec lui. Ce mec-là, honnêtement, en termes de niveau technique, il est au-dessus de moi. Il est Est au-dessus de très moi. fort. C'est un psychopathe. Franchement, j'ai jamais vu ça. Il m'a montré toute sa bibliothèque. Il a près de 100 streamers. Enfin, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était avec Christophe, tu vois. Je pensais pas qu'il avait vraiment un tel niveau en termes de technicité. Ça m'a fait tilt quand il était venu sur le salon, mais je pensais pas qu'il était vraiment, je veux dire, barré, tu vois, barré à ce point-là. Le mec, il code la nuit. Tu vois, nous on dort, lui il code la nuit. Et on en a parlé, et tu Tino, vois, justement. il est vachement sous-évalué à cause de son accent, parce que ça fait un peu. Ça fait un peu. Mais non, mais il est impressionnant. Elle Ross aussi, hein, il a le même accent. Hein. Hein. Ouais. Non, je sais pas, mais moi ça m'a fait tilt. En tout cas, j'ai vraiment vu quelque chose quand il est venu sur le salon, quand il a posté ses graphes et tout ça. Parce qu'avant, en toute honnêteté, je ne me suivais pas forcément sur Twitter. Il y a tellement de monde, je peux pas suivre tout le monde. Je m'occupe avant tout de mon training et de mon salon. Et lui, comme il disait, le problème, il trouve ce qui lui manque vraiment pour exploser, c'est la psychologie. Tu vois? Parce que sa méthode, mais c'est dur de trouver mieux. Honnêtement, tout est carré, il n'y a rien à dire. Les trades, la prise de position, c'est. De toute façon, j'arrête pas de le rabâcher, hein. Je l'ai dit 50 fois, il faut les 3 M pour y arriver. La méthode, le money management et le mental. Il y en a souvent qu'on 2 sur 3. Non. Alors nous, est-ce qu'on a le mental? Visiblement, j'ai l'impression que oui. Mais
quelque part, si tu veux, c'est avec, je vais pas dire que c'est avec les années, mais un peu, Denis, quand même. Dès l'instant que tu maîtrises bien tes deux premiers, le reste a tendance à suivre. Ou avec des gens extérieurs. Les gens En extérieurs, en partageant. fait, ouais, en partageant. Ça aide vachement pour la psychologie. Moi, c'est des gens hein, qui m'ont fait. Par exemple, j'avais un objectif, tu vois, c'était de monter des tailles. Monter ces tailles, c'est que psychologique au final, Denis. Si tu arrives à gagner avec 5 000, normalement, ça passe avec 15 000. C'est que de la psychologie. Aujourd'hui, j'ai monté les tailles, j'ai peut-être même monté un peu trop les tailles, parce que je me retrouve sur des actions à la con, entre guillemets, avec plus de 30 000 euros, par exemple, tu vois. Normalement, je sais que c'est trop. C'est trop. Donc, j'ai hâte de baisser un petit peu, surtout vu le contexte en ce moment. Mais c'est vrai que tout est basé sur la psychologie. Mais toi, le mental, parce qu'en fait, t'as un trade très stressant. Tu ne veux pas changer de méthode parce que tu as peur de ton mental, ou est-ce que vraiment ton trading correspond à ton mental, ou alors tu dis, je fais ça marche, donc je continue. Très bonne Non, moi question je suis. aussi. Ouais. Bah, je trouve que le trading que je suis en ce moment correspond à ce que je suis. Je suis quelqu'un de très impatient. Je déteste attendre. C'est pour ça que je suis pas investisseur. C'est pour ça que tu vois là, j'ai appelé une autre personne pour venir m'aider sur le salon pour faire vraiment de l'investissement pur parce que c'est pas. Je peux. Mais c'est pas ma personnalité. C'est pas mon truc. Comme pour Ben, c'est pas son truc non plus. Mais tu vois, j'ai encore vu autre chose. Là, je m'aperçois que c'est plus facile, par exemple, de coacher les autres qui font de l'investissement, leur donner des positions, leur expliquer, voilà, tu attends tel prix, tant que ça n'a pas cassé tel prix, tu restes. Même si ça dure des semaines, tu peux. C'est plus facile pour moi. C'est plus facile de coacher les autres au final. Ouais, parce que Il c'est pas faut. ton impact psychologique, c'est celui de Exactement. l'autre. Exactement. Et vu que l'autre est rassuré par ce que tu lui dis, toi, du coup, ça marche super bien. Donc, il y a un moment, je me suis demandé s'il ne devait pas faire du coaching aussi. Mais ça prend énormément de temps aussi. Et puis là, c'est encore plus. Je ne vais pas dire c'est au cas par cas, mais presque. Parce que chaque personne a une psychologie différente. Donc là, on rentre vraiment dans. Enfin, c'est. Nous, on l'a trouvé, hein, je pense, on l'a trouvé. Mais malgré ça, tu vois, j'essaye quand même de. Là, je m'intéresse quand même. C'est pas encore le bon moment, mais je m'intéresse au moyen terme, long terme. Parce que je sais quand même, quelque part, vu que mon objectif. Là, aujourd'hui, tu vois, je retire plus mes plus-values. Je les laisse sur mon compte titre pour le faire grossir. Et sur mon PEA, parce que dans l'objectif à terme, c'est quand même toujours de garder, de tirer ses positions, parce que c'est quand même ce qui paye, entre guillemets. Un vrai mouvement, tu vois, il se fait sur plusieurs semaines, entre guillemets. Donc, tu vois, je suis censé, normalement, essayer de tenir la pause plusieurs semaines. C'est là, hein. Ouais, Je me bah là, force. on retrouve toujours sur le même truc. Alors, est-ce qu'il faut faire tourner son capital et puis prendre juste l'accélération à un moment, ou alors regarder ça? Parce que même Christophe, qui lui est un trend follower maintenant, il commence à devenir un swinger. Hein, il garde plus les. Il garde plus Ah, mais c'est le les. contexte de marché, Denis, qui lui fait peur. C'est le Il contexte. garde plus. Oh, C'est le ouais. contexte de marché. Et quelque part, on avait raison, parce que tu as vu ce qui s'est passé vendredi. Non, mais c'est un truc de fou. Alors, J'ai on va regardé faire. le DAX là. J'ai regardé le DAX là. J'ai fait une petite vidéo sur le DAX. Et en fait, depuis le mois d'avril, il monte pas, quoi. Il monte C'est mal. pour pas descendre, quoi. Et depuis le juillet, il est Effectivement. flat. Et là, il a cassé quelque chose, mais il grave là le DAX. Ils sont malades, les Allemands, là. Je sais pas ce que Ben y en pense, mais bon, je vais le dire honnêtement, c'est pas une question de complotisme, tout ça, on va pas rentrer dans ce débat-là par rapport au Covid, tout ça, mais depuis 15 jours, ouais, à peu près depuis 15 jours, tu regardes la plupart des graphes, les trucs, il y a certains graphes, genre des seuil tech, des seuil FI, un peu de tout, hein. Les graphes, ils ont aligné 5, 6, 7, 8 séances de baisse avec des belles bougies bien rouges, bien dégueulasses, alors que le CAC se maintenait. Je reste persuadé. Que les mecs ils savaient que le truc allait sortir. J'en suis persuadé, ils vendent pas innocemment. Et tout baissait. Même les mecs qui faisaient de l'investissement, ils comprenaient pas. Depuis 15 jours, normalement ils suivent à peu près le CAC, ils suivaient plus, ils comprenaient pas pourquoi. Parce que les mecs ont maintenu le CAC, ils ont commencé à vendre, c'est tout. Ils ont accentué le mouvement vendredi. Oh, J'en mais les suis mecs, persuadé. ils voyaient ça fait 2 mois que tout le monde dit qu'on est trop haut. Deux, tout le monde attend la correction, la consolidation. Et quand on voit ce qui se passe depuis 2 semaines, qu'on commence à bien nous préparer, pas l'anxiogène, c'est ça, non, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Tu le sens pas venir, le huitième confinement, là, pour Noël?
Putain, si tu le sens pas venir, faut changer de narine. Je peux pas changer. L'année dernière, j'avais parlé de la qu'ils allaient corriger des mouvements 2020. Regarde, ça s'est passé. J'ai parlé de la hausse qui baisse. Au début, on me prenait pour un taré. Les gens ont repris je vais mettre un copyright sur cette phrase. Et là, il faut comprendre, si tu veux, qu'il y a des mouvements quand même. L'analyse technique sert à prédire, entre guillemets, sur quelques jours, mais tu as des mouvements logiques d'une journée à l'autre. On peut pas, là en ce moment, ce qui se passait, en plus, une journée, tu avais un signal d'achat, le lendemain, vente, achat, vente, achat, vente. C'est d'un illogique au possible. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Donc, quand tu vois des actions, il y a une journée, par exemple, c'était Polyc Meunière qui a fait moins 18%. J'étais voir sur Twitter, je dis, ce qui est news que j'ai pas vu. Tout le monde me dit non, ou c'est des prix du blé, machin. Mais il faut arrêter avec ça. Le marché, la veille, il était déjà au courant des prix du blé. Il n'a pas changé en quelques heures. Il y a des mouvements logiques. Il y a des choses qui sont illogiques. Une action qui perd 18% sans rien, il y a quelque chose. Et le soir, augmentation de capital. C'est comme Gossin. Comme Gossin. Tu regardes à 16h30, enfin à l'époque, hein, je ne sais pas si c'est pareil maintenant, à 16h30, tu regardes ce qu'elle fait, et à 17h35, tu peux dire, alors c'est soit AK, soit News Bidon. Mais parce que c'est impressionnant, quoi. Excuse-moi, je parle beaucoup, Ben. C'est pas du complotisme, c'est qu'il y a du délit d'initié, il y en a à tout va. Voilà. La manipulation de courant, il y en a encore à tout va. Et je trouve même que ça s'accentue, parce que ça devient de plus en plus flagrant. Et je vais même pousser un raisonnement, t'as même certains PDG qui vont à tout va. Hein, on va pas citer notre préféré, Ben. Ouais, non. Le mec, attends, j'arrête les OCA, tout le monde achète. Et le soir, le mec, il te sort une AK ou qu'il a fait une notation prix. Enfin, faut arrêter. C'est de la manipulation de cours. C'est pas légal, je suis désolé. Mais que fait l'AMF ? Bon, après, quand on va sur ce genre de valeur, il faut savoir où on met les pieds. On sait que ça se passe comme ça, sur ce genre de valeur. Le délit d'initié, c'est pareil, c'est pas nouveau. C'est un secret pour personne que ça existe. On le voit partout. Après, au sens plus large sur les indices, je trouve qu'il est de plus en plus compliqué, c'est d'interpréter les news, puisqu'on a fait un peu un contresens sur tout. C'est-à-dire que maintenant, les bonnes nouvelles sont vendues parce qu'on se dit, comme il y a plein d'aides, s'il y a des bonnes nouvelles, les aides vont baisser, donc du coup, on vend. Quand il y a des mauvaises nouvelles, on se dit, du coup, il n'y aura pas de hausse des taux, il n'y aura pas de tapering, donc du coup, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Vendredi, on a baissé effectivement sur l'annonce, visiblement. Quand même eu certaines surprises pour certains, mais peut-être que lundi la psychologie va complètement changer et que les gens vont se dire du coup on est tranquille, le tapering sera pas pour tout de suite et les marchés vont se mettre à remonter. C'est ce que disait Matt Surfman, il dit vendredi, oui enfin vendredi c'est peut-être surtout un démarrage. Pour moi non, pour moi c'est un jour. Hein. Vous en pensez quoi vous? Bon, impossible de savoir. Ah, de toute façon, Denis, il y a un truc, c'est pareil, gars, ça je l'avais dit. Je dis qu'on est en mode bulle depuis le début, depuis plusieurs mois, même dans la première partie de l'année, j'avais déjà dit. Ça c'est pareil, on n'était pas d'accord avec moi. Si, quand t'as un moment, quand t'as toutes les news de merde, entre guillemets, tout ce qui est négatif, ne fait plus rien au CAC, et quelle que soit la news, il continue de monter, c'est déjà le mode bulle. Tu vois, je parle pas de prix pur, de valorisation par rapport au PR, tout ça, c'est une réaction. C'est une réaction par rapport aux news. Quand le marché ne réagit plus du tout, il ne fait que monter, tu es déjà en contexte de bulle. Et tu vois, on n'a fait qu'accentuer la chose. On n'a fait qu'accentuer la chose jusqu'à son paroxysme, qu'on a été chercher 7000 points. Honnêtement, je trouve ça aberrant. Même si les résultats d'entreprise sont top, mais tout est surévalué en ce moment. C'est ouais, mais quoi. Si tu as de l'argent, si tu as l'argent, tu le mets dans quoi? Le livret A, le livret B, l'immobilier, ils te sortent des taxes. Moi, j'ai un appart loué en France. Il y a mon locataire qui est parti. Il me demandait de faire un papier, regarder le gaz, l'eau, l'électricité, l'amiante, les chiottes. Ils font tout pour pas louer, quoi. T'as juste à venir là, quoi. Ils ont tous été en bourse, ça c'est sûr. Tout ce qu'a déversé les banques centrales, tout est parti en bourse, ça c'est clair. Et de préférence sur les grosses valeurs, parce qu'il y a des collègues de malades également sur les small et les middle. Depuis plusieurs mois, hein, on se retrouve dans la situation qu'on avait en 2018, où il n'y a que le CAC, les actions du CAC et quelques bigs qui superforment, et tout le reste à côté est vendu. Est vendu, mais c'est encore plus vicieux qu'en 2018, parce que tu as la réaction qui est logique au possible, les signaux qui se contredisent d'une journée à l'autre, et c'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Tu vois, je pensais qu'en 2018, on avait tout vu. Ah non.
2021, c'est pire pour moi. Et je me demande où est la limite, parce que tu dis, si tu passes 2021, est-ce qu'on peut faire pire? Au final, le marché n'en a aucune. N'en a aucune. C'est-à-dire qu'en fait, en 2021, ils ont changé les algos, en fait, en train de dire ça. Bah, en tout cas, je sais pas si ça, c'est clair que les réactions, des fois, mais peut-être moi, je les comprends pas. Je les comprends pas. Je vais pas écouter, je vais pas expliquer ce que je ne comprends pas moi-même. Ça fait 20 ans que je suis sur les marchés, j'ai jamais vu des réactions comme ça. Jamais. Ouais, Jamais. après, je pense que la question plus importante, c'est pas toujours de chercher à comprendre, en fait. Celui qui a raison, c'est le marché, ce qu'il décide de faire, en fait. S'il décide qu'il faut monter, il faut accepter qu'il a décidé de monter. Et la question qu'il faut plutôt se poser, c'est en quoi ça peut influer sur notre méthode à chacun. Donc celui qui fait du swing, etc., ben, en quoi ça peut m'impacter un marché comme ça? Moi, je suis moins touché, par exemple. Parce que je suis jamais en position. Donc, moi, c'est plutôt comme ça que je me pose je cherche plus à comprendre où est le vrai, où est le faux, est-ce que c'est cher, pas cher, j'en sais rien, effectivement, cher par rapport à quoi, dans quel contexte. Il y a plein d'arguments des deux côtés qui peuvent être entendables d'ailleurs. Hein. J'ai entendu certaines personnes nous expliquer par A plus B qu'il n'était pas si cher que ça pour X raisons. Quand tu écoutes le gars, c'est pas complètement délirant ce qu'il raconte. J'ai vu un Il a truc, même. une. Bah, poursuis-moi. Non, 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 non. Et encore une fois, voilà, c'est. Plutôt que d'avoir un avis propre, c'est plutôt de se dire, voilà, le marché, il est tel qu'il est aujourd'hui, en quoi ça joue sur mon trading, en quoi ça peut être néfaste ou en quoi ça peut être bénéfique. C'est plus ça la question à se poser, à mon avis. Plutôt que d'essayer de jouer au devin. Enfin, tu vois, si par exemple, tu interroges tout le monde, tous les gens confirmés que tu vois, que tu reçois sur ta chaîne, tu leur demandes demain, allez, de se mouiller sur ce qui va se passer. Tu vas en avoir une partie qui va te dire, ah ben allez, si je dois mouiller, je vois une forte hausse, on va récupérer ce qu'on a perdu vendredi. T'en as une autre moitié qui va dire, non, non, moi je vois une grosse baisse et tout ça. Par contre, ce que tous vont te dire, c'est qu'ils sont convaincus que les deux sont possibles. Tu vois, même le gars qui pense plutôt que ça va baisser, il va dire, oh ouais, tant bien, il y aura plus 3. Et je pense que voilà, c'est nous, c'est plutôt d'avoir des scénarios préparés, se dire, ça, il va peut-être se passer ça demain, il va peut-être se passer ça. Et puis de voir demain, dans les premières minutes, les premières heures, un peu lequel des scénarios se dessine vraiment, quoi. Pas de savoir si moi j'ai raison ou si j'ai tort. Le Tu sais, marché a après, tout. nous, Denis, on le fait parce que les gens nous posent la question. Mon salon, ils me posent la question, tout ça. Mais au final, on simplifie tout en une phrase. C'est sur les marchés financiers, c'est marche ou crève. C'est-à-dire, en gros, tu t'adaptes ou tu dégages, ou tu perds ton capital, t'as Et pas le choix. surtout, faut pas avoir d'ego. Si on Non, en fait. si on commence à avoir de l'ego en disant ça baisse, mais c'est pas normal, mais ça devrait monter, ça va monter de toute façon. Je continue, je moyenne à la baisse, je moyenne à la baisse, je prends Non, une non, non, troisième dose, une quatrième dose, pardon, oui. excuse-moi. Putain, j'avais dit qu'on n'en parlait pas, excuse-moi. Et etc., 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 quoi. Non, mais on n'est pas assez fort pour aller contre le marché. Même si moi, je trouve ça totalement débile d'aller à 7000 points, à aucun moment, j'ai shorté le marché. Je ne vais jamais contre le marché. Jamais. Je ne shorte jamais non plus. Ça n'est pas rentable de shorter. Alors, il y en a qui ne vont pas être d'accord avec moi. Le marché, il est aussi à 75% du temps. La plupart des petites valeurs, tu ne peux pas les shorter. Et les mouvements de baisse sont toujours violents. C'est-à-dire que la plupart du temps, tu ne les vois pas venir. Ça ne sert à rien de shorter. La seule chose que tu peux faire, c'est pour protéger ton capital. Et encore, ça va pas plaire, les BX4, c'est de la merde. Je le redis, c'est de la merde. Le BX4, avec la valeur temps, ça te tue. Donc ça sert à rien, ce Ouais, n'est faut pas la l'avoir bonne 3-4 protection. jours. Ouais. Voilà, il faut que tu aies le timing nickel. Et personne n'a le timing. Donc vous perdez votre temps avec votre BX4, les gars. Ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est pas la bonne protection. C'est pas ça. Donc je t'ai coupé, Denis. Non, je regardais le chat parce qu'il est assez. Il y a John Matrice qui a fait un truc, un écrit quoi, intéressant. Il parlait des ETF et j'avais lu ça une fois. C'est-à-dire, en fait, les indices, il y a une part des ETF de folie dedans, en fait. Et c'est peut-être pour ça que ça monte, parce que justement, les investisseurs investissent dans les ETF et ceux qui font les ETF, j'arrive plus à parler à la France aujourd'hui, ils sont obligés de transformer ou de se couvrir en achetant les actions, quoi, ou des dérivés. Et c'est peut-être ça qui fait monter, en fait. Les ETF, ils ont une perte de folie, ça c'est clair cette année. Un Tradosor, il en a, il nous a sorti les perfs.
C'est sûr, regarde, moi, on m'a fait la réflexion. Sur mon salon, la perf du salon, elle est de 20%. Et je crois que le CAC, il est à 29%, c'est ça à peu près, sur cette année. Mais ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que gérer son trading perso et gérer X personnes sur un salon, forcément, tu n'auras pas la même perf. Il y a des trades qui sont, tu peux pas reproduire. Je vais pas les envoyer sur du cybergun. Nous, on trade du cybergun avec Ben. Il est évident que je n'ai jamais envoyé les gens de mon salon sur une merde pareille. Parce que, comme dit Ben, on sait à quoi on s'expose. Tu vois, il faut faire la part des choses. Donc, ouais, c'est un peu décevant par rapport à la perf du CAC. Mais moi, j'arrête pas de dire, si tu es régulier chaque année, le CAC, tu vas le rattraper, tôt ou tard. Tu vas le rattraper, tu vas le doubler. C'est pas gênant. Les gens, ils se comparent souvent aux performances du CAC. Pour moi, non. Moi, je n'ai jamais regardé ma perf par rapport à celle du CAC. Mon objectif, c'est de gagner tout le temps. Même si le CAC, il me dit pas, j'en ai rien à foutre. Et ça donne quoi depuis l'été, en fait? Parce que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était fin août, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Sur mon trading perso, Denis? Oui, oui, oui. Bon, jeudi soir, j'étais au plus haut, j'étais à peu près à plus 105% en perso. Et j'ai depuis baissé septembre de... Non, sur l'année. Bah, tu m'as fait peur. Sur l'année. Okay. Sur l'année. Donc, je sais, ouais, 105, 110, je sais plus. Il y a un moment, je te dis, moi, mon objectif, c'est même d'être vert tous les verts, tous les jours. C'est même pas la perf en elle-même, c'est de gagner tous les jours. Ah, c'est vraiment du day trading, ça. Ouais. C'est le day trader, c'est ça. Le day trader, il faut que ce soit tous les jours vert. Ouais, Ben, il a une philosophie différente par rapport à ça, par rapport à moi. Il est plus cool. Mais au final, l'un dans l'autre, on se retrouve sur la même perf, lui et moi, c'est ça qui est drôle. Des fois, il reste des jours sans rien faire, il fait un gros coup, et au final, sur l'année, on est kiff-kiff. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, plus cool peut-être, mais c'est surtout que je peux pas prétendre, comme toi, avoir des gains réguliers, donc ça, pareil. Hein. J'ai choisi ma méthode, donc j'en accepte les bons et les mauvais côtés. Et en fait, moi, ça n'a pas changé depuis l'été. Hein. Je continue d'avancer beaucoup moins vite que le premier semestre. Donc là, je suis pareil, hein. je suis à 110 ce soir. Donc c'est effectivement sensiblement pareil, mais par contre depuis début juillet, j'avance que par one shot quoi. C'est pendant des semaines je fais rien, des petits gains, des petites pertes d'un jour à l'autre, et de temps en temps un one shot ou ce qui me permet d'avancer quand j'ai des fenêtres de tir de 2-3 jours. Hein, on a eu ça 2-3 fois là depuis la fin d'été. On a senti quelques flux revenir un peu sur les small. Ça dure encore une fois même pas une semaine. Ouais. Donc je les ai plutôt bien optimisés, ça m'a permis d'avancer quand même. Mais bon, voilà, hein, globalement, j'avais fait 80% jusqu'à fin juin, là je suis à 110, donc tu vois, j'avance beaucoup moins vite. Mais bon, tu vois, je te disais déjà il y a 2-3 mois que moi, si l'année se finissait comme ça, ça m'allait très bien, donc là, d'autant plus maintenant. Hein. Ah, mais depuis le début, me disais, de toute façon, maintenant, il faut surtout ne pas perdre ce qu'on a gagné en janvier-février. Je crois que tu disais ça. Ouais. Ouais, bah, premier trimestre. C'est vrai que le début d'année, on était un peu dans la continuité de l'année dernière, hein, donc c'est vrai que c'était des gains rapides, faciles entre guillemets. Ça se faisait de manière assez fluide. Bon, là, ça, cette période-là, elle est terminée, donc évidemment que maintenant l'idée, elle est plus de, enfin pour moi, hein, là je parle que pour moi dans ma propre méthode, voilà, d'éviter de forcer les trades, pas de FOMO, de pas trader pour essayer de trader le moins possible pour rien. Et puis en parallèle, moi je suis toujours dans mon état d'esprit d'essayer de m'enlever le plus de stress possible, de limiter mon trading le plus possible. Enfin, ça devient même une obsession. À chaque trade, je me demande si j'ai vraiment besoin de le prendre, si je peux éviter de le prendre. Parce que plus j'avance, plus je m'en rends. Parce qu'en fait, il y a un trade dans la semaine qui te fait faire ta semaine. Voilà, quoi. Et tous les autres, c'est des petits gains et des petites pertes. Quoi. Ouais, si on veut résumer, c'est à peu près ça. Donc du coup, voilà. Encore une fois, je ne peux pas arrêter complètement parce que je veux rester en contact avec le marché. Et puis encore pareil, je ne veux pas trop m'ennuyer. Ouais, puis t'as pas trop de solutions pour faire ça, hein, pour passer qu'un seul trade. Hein. T'en as qu'une de solution, c'est abandonner la tablette et passer sur le téléphone. Hein. Là, tu vas voir, passer beaucoup des trades. Hein. On en revient à la psychologie, on définit sa méthode en fonction de la psychologie, mais une fois qu'on l'a choisie, on en accepte les difficultés psychologiques. Donc l'attente, la patience, l'ennui, voilà, ça fait partie de ce que j'ai choisi. Ouais. Hein. En fait, il faut vraiment se connaître, quoi. En fait, pour gagner en bourse, il faut se connaître. Il faut se connaître et être capable de faire une autocritique dans les deux sens.
C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire de la fausse modestie, être capable de dire, ouais, là-dessus, je suis bon, c'est là où je suis performant, c'est là où je gagne le plus souvent, c'est là où je gagne le plus gros. Et à l'inverse, être capable de dire, non, mais là, arrête de te mentir, t'es mauvais là-dessus, c'est pas ton truc. Des trades, moi, je sais très bien que des trades en journée où ça ne monte pas suffisamment vite, où il n'y a pas assez de vitesse, je ne suis pas bon. Pas plus tard que, que vendredi, je suis allé sur. Comment elle s'appelle ? Novacit. qui a fait une super journée, mais elle ne montait pas assez vite pour moi. Donc le trade, j'y suis allé, mais j'ai gagné très peu par rapport à la pause que j'avais, parce que je n'étais pas capable de tenir ma position. Quoi. Pardon. Mais c'est pas grave. Tu peux mettre ton masque, s'il te plaît ? Putain, je ne sais pas ce que j'ai, je ne sens plus rien depuis ce matin. Tout ce que je mange, ça a tout le même goût. Ah, si c'est un goût, c'est bon alors. Si ça n'a pas de goût, c'est dangereux. Hein. Non, donc ouais, plus j'avance, moi, plus je me dis, tiens-toi-en à ce que tu maîtrises bien, quoi. Et laisse courir le reste. Ouais, c'est ce qui te permet vraiment d'avancer. Ouais, mais c'est ce que disait Mickaël. C'est l'un des premières interviews qu'on avait fait, quand je lui disais, ouais, mais pourquoi tu fais 30 ou 40 ou 50 actions par jour? Pourquoi tu ne prends pas seulement celles qui partent? Il dit, parce que tu me disais, je ne sais pas laquelle c'est pour ça que je les fais toutes. Après, tu sais, Ben, il a une philosophie différente. Il reste sur ses acquis, il reste sur ses points forts, parce qu'il sait qu'il peut gagner régulièrement, mais moi j'ai plus d'objectifs encore. Je veux monter plus. Parce que je sais qu'il y a encore du potentiel. On peut encore monter, on peut encore s'améliorer. Donc, oui, lui, toi, tu es vraiment dans un état d'esprit de poursuivre, de progresser, de gagner plus. C'est vrai que là, moi, aujourd'hui, c'est peut-être pas définitif, hein, j'en sais rien. Hein. Peut-être qu'en vieillissant, je vais changer d'avis, mais pour l'instant, moi, je suis vraiment dans l'état d'esprit de me. Enfin, ce que je gagne, en gros, ce que je gagne, ça me convient. Et maintenant, comment je fais pour essayer de moins me faire suer au quotidien, quoi. Là, c'était une discussion qu'on avait eue. Je crois que je l'ai dit à chaque fois, l'anecdote. Alors, je sais pas ce que... C'était entre Noël et le jour de l'an, et on s'était appelé. Et tu m'avais dit, non, moi, si j'avais 6 écrans, je gagnerais plus. Mais moi, le but du jeu, c'est d'avoir un ratio stress-gain qui me convienne. Tandis que toi, Mika, c'est plutôt, tu veux un ratio stress-gain, tu t'en fous, tu veux gagner plus, quoi. Oui, parce que j'ai un objectif et je veux l'atteindre. Et là, quand tu as certaines sommes en bourse, normalement, c'est même si tu veux préparer mon avenir, préparer ma retraite, parce que moi, je suis persuadé qu'on n'aura pas de retraite, il n'y aura plus de pognon, donc je compte que sur moi pour me la préparer. Donc c'est maintenant, je me dis même, tu vois, que 2020, c'était... Quelque part, j'ai un peu raté l'année, même si j'ai fait une belle année, j'aurais pu vraiment là me couvrir pour plusieurs années, être tranquille. Dès l'instant que tu atteins un certain niveau, il n'y a pas de raison que tu reviennes en arrière. Ça veut dire quoi en fait? C'est-à-dire que si tu mets, t'as besoin de combien par an? 30 000 30, 35 000 40 000 Pour vivre, 30, 40 000, tu vas vivre 30 ans, 30 fois 30, ça fait 900, 1 million? Là, le gouvernement, je ne cache rien. Moi aujourd'hui, je vis avec les abonnements de mon salon et je laisse tout ce qui est mes gains en bourse. J'affiche mon portefeuille tous les soirs sur mon salon. Donc les gens voient combien je gagne et combien je perds parce que je l'ai dit, parler d'argent, ça n'a jamais été un problème pour moi. Et je trouve que c'est normal également qu'ils voient ce que je fais et c'est une manière de prouver que je suis pas un tocard, parce qu'il y en a quand même beaucoup, faut le dire, et ça me gonfle un peu. Donc je trouve ça normal, si tu veux le montant de capitaux, pour moi, oui, c'est 1 million. Si d'instant que tu atteins 1 million, t'es tranquille. Aujourd'hui, j'en suis pas là, parce qu'il a fallu que j'achète ma maison, j'ai une vie comme tout le monde, j'ai payé j'ai des remboursements, des emprunts, et si, voilà. Donc avant, ça, tu vois, honnêtement, je suis vraiment tranquille que depuis cette année. Oui, mais si t'as un million, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas changer de ton trading? Tu vas appeler Tradosor pour reprendre des ETF? tu vas faire quoi? Déjà, je vais en mettre une part, en espérant qu'ils soient toujours là, mais normalement, oui, je serai plus cool, Denis, en fait. Moi, je ferai l'inverse, c'est-à-dire je vais ralentir. Et je vais faire travailler plus mon argent de lui-même. C'est-à-dire que, par exemple, j'irai le mettre sur R2D2, le robot de trading que j'ai déjà parlé. Je gérerai différemment. Quand tu as atteint une certaine somme, parce que je ne vais pas continuer à trader comme ça jusqu'à l'âge de 70 ans. Je ne vais pas tenir, c'est pas possible, tu te donnes bien. Donc mon but, c'est d'arrêter avant.
Mais est-ce Mon que but tu as n'est déjà pas non pensé à la plus. méthode, à la stratégie, et est-ce que ça va pas te faire chier, entre guillemets, de dire, j'ai gagné que 7% cette année, ou que 8%, ou que 10%, alors Non, qu'avant, je faisais 100, les mauvaises, quoi. non, parce que tu sais, c'est pareil. Pourquoi moi je suis jamais content entre guillemets de mes résultats? C'est pas une somme en elle-même. C'est ce que te donne le marché. Quand le marché il est porteur, si tu as fait que ça par rapport à ce que tu pouvais gagner, c'est nul. Par contre, si tu as gagné, tu donnais des chiffres. Je sais pas si cette journée-là tu pouvais gagner faire que 200-300 € et que tu les as fait, c'est très bien. C'est très bien. J'ai toujours dit, à une époque, j'ai eu le RSA, à une époque, j'ai travaillé en usine, j'ai gagné le SMIC pendant des années, je sais ce que c'est, j'ai la valeur de l'argent. Donc, tu vois, c'est pas assez juste par rapport au potentiel. Je fais ça depuis des années, et de par mon niveau, tu vois, il y a des journées, je trouve pas ça normal de faire telle ou telle erreur, par exemple. Un Tu vois, perfectionniste, en fait. bah, oui et non, c'est. Tu vois, comme là, vendredi, je gérais mes pertes, c'est l'avantage de travailler avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un de compétent. Il y avait Tino. Tino, il a vu Airbus, il l'a donné sur le salon. Je l'avais aussi Airbus. J'avais le point bas. Quand elle était chercher, je sais plus, la zone des 96, quelque chose comme ça. Sauf que moi, de par mon organisation, j'étais occupé à gérer mes pertes, parce qu'il faut toujours gérer ses pertes avant, gérer ses actions, plutôt que s'embarquer sur d'autres actions et se compliquer la vie. Mais tu vois, là, c'est une question également d'organisation, c'est une question également de screener que j'utilise pas forcément. Enfin, tout ça, on peut améliorer. Tu vois, normalement, Airbus, j'aurais dû le prendre. Et en plus, Airbus, en termes de liquidité, il n'y a aucun problème. Tu peux coller Airbus, tu peux coller. nous, on l'avait dans le petit groupe qu'on a, ouais. Tu vois, Ah. c'était flagrant. Vendredi, tu vois, je n'arrête pas de dire aux gens qu'il faut jouer les ex-baissiers. Honnêtement, vendredi, il n'y avait pas tant que ça. Sans déconner, il n'y avait pas grand-chose à faire. C'est traître. Le CAC a perdu 5%, mais au final, il n'y a pas tant de baisses que ça, ou les baisses sont pas assez importantes. Moi, j'ai repéré Sport Group, que j'avais pris, qui a eu un gros décrochage. Il y avait LVMH, mais j'ai pas eu le point bas parce qu'elle n'a pas été encore assez bas. Il y avait Airbus et il y avait Vinci. C'est tout. Les autres, il n'y avait pas d'achat à faire. Il n'y avait rien à faire. C'est-à-dire qu'en fait, tu Alors, es il y en en a qui train de ont. dire que le CAC 40, 36 actions ont fait moins 5, quoi. Bah, en tout, pas toutes, parce que tu regardes Pernod Ricard, même si c'est soi-disant une défensive qui reste perchée à des niveaux comme j'ai jamais vu, elle n'a pas assez baissé par rapport à un CAC qui a fait 5%. Ah, mais Il si ça faut se trouve, le voir. Pernod, c'est la solution contre le Covid. C'est peut-être pour ça. Ouais, mais. Parce que si tu pousses le raisonnement, les Ouais. mecs ils se disent derrière confinement, machin, mais Pernod il sera forcément impacté s'il y a confinement. On va pas tous picoler chez nous, même si on picole tous chez Putain. nous, ça va pas suffire. Moi, pendant le premier confinement, mon meilleur pote que je salue tous les matins, maintenant, c'est le caviste. Hein. Parce qu'ici, tout était fermé, il y avait juste le supermarché et le caviste hein, qui était ouvert. Hein, David, sympa maintenant. Mais tu vois, après, il faut garder, comme je dis, l'analyse technique, tu as une logique de mouvement en mouvement. Le CAC, c'est une locomotive. Donc le CAC, quand le marché monte, il n'est pas normal qu'il y ait une partie du marché qui ne suive pas. Tu vois, ça, c'est pas logique non plus. Quand le CAC, il fait moins 5, c'est une moyenne, c'est pas normal là, que certaines actions, comme le Pernod Ricard, se maintiennent à ce point-là, même si c'est des défensives, parce que je rappelle qu'ils sont à des records historiques. L'action, elle est perchée comme il n'y a pas. Et il y en a plein sur le CAC. Honnêtement, la baisse, elle est ridicule, là. Elle est ridicule. Le CAC, il peut revenir à 6 000 points. Pour moi, ça serait la moindre des choses. Hein. Quand tu vois le prix, c'est surréaliste. Donc, Nicolas sort de ce corps. Ouais. non, parce que Nicolas, il a encore une vision différente. Il a encore une vision différente. Donc, Nicolas, il est contrariant sur le marché. Quand tu regardes, il est souvent contre le marché. Moi, c'est pas ma philosophie. C'est Tu pas peux ma pas être contre le philosophie. marché. Ou tu es contre le marché, tu gagnes parce que tu as un super money management. Mais avec de toute façon, avec un super money management et en tradant les yeux fermés, tu gagnes. J'ai vu en 20 ans, j'ai vu tout, Denis. J'ai vu des gens qui faisaient de la contre-tendance, qui faisaient du levier, machin. Ça s'est toujours fini de la même façon. Toujours. Ils sont plus là. Ils sont plus là. Donc, c'est pour ça que je reste sur ce que j'ai fait, sur ce que je sais faire. Mais tu vois, j'essaye quand même de m'améliorer et de tirer. Parce que je sais les étapes que j'ai à franchir pour atteindre ce que je veux. Donc, mais c'est long. Parce que, encore une fois, c'est une question de psychologie. Aujourd'hui, tu vois, alors je le dis, ne le faites pas, c'est pas un exemple. Mais sur Alphamos, par exemple, j'avais une pause de 30 000 euros. En temps normal, j'avais jamais 30 000 euros sur du Alphamos, tu vois. Elle a payé. Je suis sorti parce que j'étais persuadé qu'elle allait remonter, parce qu'il y avait une AK à 1,80, il y a des gens qui sont rentrés à 1,80, il y avait un outflow positif. Mais c'est pas pour ça que c'est pareil que je l'ai donné à mon salon. Je le fais tout seul.
je le fais tout seul. Déjà, parce que le money management n'est pas respecté. Tu peux pas. Puis tu, moi, déjà, tu vois, je suis obligé de moyenner pour m'en sortir, parce qu'en plus, c'est une action un peu bien spécifique, on va dire. Je peux pas dire ça à mon salon, moyenner, reprenez, vendez, machin, à 50 personnes en même temps. C'est irréalisable. Ouais, tu veux dire qu'en fait, ton trading n'est pas reproductible, quoi. Mais c'est le même problème pour tout le monde. Une partie de son trading n'est pas reproductible. En termes de temps, en termes de taille, en termes de rapidité, c'est pas possible. Parce que le temps que tu dises, je rentre là sur ton salon, et le mec, il bosse, il prend le téléphone à la pause, il prend une demi-heure après, ah ben il est rentré, je rentre alors. Et toi, pendant qu'il est rentré, tu dis, ah je sors. C'est pour ça que tu peux pas le mettre. Exactement. Je m'adapte parce que je sais que la plupart des gens ils travaillent. Je sais ce que je peux le partager ou pas avec les gens du salon. C'est ça. Et c'est pour ça que ma perf elle est en dessous du CAC. Parce que tu peux pas faire n'importe quoi. Je vais pas aller donner des actions avec des OCA par exemple. Avec Ben on les trade. Mais je sais que les actions à OCA, contrairement à ce que certains, hein, je vais pas dire le mot, disent sur Twitter, que les actions OCA c'est super. Non, une action OCA c'est de la merde. À long terme elle est morte. Là, Ameba, elle a mis un système d'OCR en place. L'action, elle est morte à long terme. C'est fini, c'est terminé. Bergen, ils en sont à son combienième regroupement déjà? Son troisième, non? Bergen, pour donner une idée du prix, si tu tiens compte des regroupements, bah encore, je crois que je suis en dessous, j'ai pas regardé la dernière fois. Mais si tu tiens compte des regroupements, aujourd'hui, elle vaut, c'est combien, Ben? Tu te rappelles du prix de Bergen? Combien elle vaut là? Ouais. Ah, ou combien? Aujourd'hui, je sais pas, ouais. 30 centimes, 35 centimes. Mais et si tu tiens compte des regroupements, elle était à 60 millions il y a 2 ans, un truc comme ça. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Et encore, je sais même pas si c'est pas plus. Ces actions-là sont mortes à long terme. C'est un business plan de fou. Hein. Faire des armes en plastique pour. Business plan de fou. Je sais pas pourquoi ça marche pas en plus. Hein. Mais il y a tout. Il y a tout, quoi. Ça veut pas dire qu'il faut plus les trader, mais ça veut dire que. À mon avis, tout le monde ne peut pas aller dessus, et quand on va dessus, il faut, voilà, encore une fois, savoir à quoi on s'expose. Faut pas rester, quoi. Faut pas rester. Pour des traders avertis. Voilà, avertis pour du très court terme, et voilà, des gens qui connaissent bien ce type de valeur-là. Après, c'est pas avec que tu fais fortune, hein, parce que ça reste des coûts comme ça. Hein. Tu peux pas gagner régulièrement avec ça. Moi, la dernière fois j'ai pris Cybergun, je me suis pris 2 baisses d'affilée. Hein. La journée, ceux qui ont annoncé la fin des OCA, qu'elle a fait, je sais plus, c'est plus 104, plus 90, c'est ça, Ben, plus 100, enfin, j'ai plus le chiffre en tête. Et que le soir, le mec, il annonce l'inverse. Je me suis pris 2 baffes en 2 jours. Tu vois, c'est, mais je, entre guillemets, comme dit Ben, donc c'est à quoi s'attendre. Mais c'est pas pour ça que j'ai à dire, allez acheter ces merdes-là. Non, ça reste que pour des gens comme nous. C'est les mecs qui font un peu, qui font du moyen terme, long terme, c'est mort. C'est pas les valeurs qu'il faut prendre. Elles sont mortes. T'as quoi encore? T'as Arcos, t'as Neovac, tu regardes les graphes. Dire Télécom. C'est un massacre. Tu regardes sur 2-3 ans, mais c'est je comprends même pas que Euronext autorise ce genre de truc. Attends, ouais, Arcos, ça vaut 0,0008 centimes. Ou 0,7. Mais c'est une aberration. C'est une aberration de laisser ça. Les mecs sont sur le système-là, les boîtes, elles sont mortes, elles sont pliées. Par terre. Et puis après, ben, quand c'est la mode du Covid, tu fais un communiqué en mettant le mot Covid dedans. Alors en ce moment, dans le communiqué, il faut mettre Metaverse ou NFT. Et exactement. Ça marche aussi. Alors, est-ce que Cybergun va faire des NFT ou des Metaverse? Arcos, peut-être? Ne donne pas d'idée au PDG. Ouais. Ne donne pas d'idée. Parce que je pense qu'il va repérer ça, puis il va se dire, mais c'est une bonne idée, ça. Ouais. Atari, avec les NFT, c'était qui cette semaine? Price, PRC, Art Price. Ouais, Art Price. Mais tu vois, après, je l'ai tradé et ça a payé. Il y a aussi une belle action qu'on a parlé, j'ai plus le nom, c'est le code, c'est CBI. CBI qui apparemment, c'est l'ancien mec qui était chez Atari, qui a fait les tokens, quelque chose comme ça. Donc, introduction de l'action 2 euros, Ben l'avait repéré. Il n'a pas pu la faire. Je sais pas pourquoi. Est-ce que d'ailleurs, il y a des gens qui ont pu participer à l'introduction, on se demande, parce qu'il est quand même au Crédit Agricole et c'était pas possible. Ouais, je peux lui proposer pas, en tout cas. Ouais. C'est une action quand même qui est montée à 2. Ben, il m'en reparle à 10 euros. Moi aussi, je la vois. Elle va passer en cotation continue. Ça, c'est très important. Quand les actions passent en cotation continue, c'est très intéressant. Le marché adore. Et c'est une action quand même qui est passée de 2
à 78 euros. C'est le record, hein, parce que il y avait Grenvolt ça... comme ça, non, qui avait fait ça. Ah, non, c'était entreparticulier.com qui avait fait ça aussi, si j'ai bonne mémoire. Mais pas en aussi peu de temps. Elle a fait ça en 2-3 semaines, l'action. 2,78 euros, je sais pas si tu imagines. Le dernier prix que j'avais, c'était 31 euros, moi. Je l'ai raté comme un con. Je l'ai raté parce que bah, j'ai zappé. Il y a un matin, il faut que je regarde. Elle était à plus 15. Au dernier moment, elle ouvre à 0. Le trade était à faire. Et 10 minutes après, elle se retrouve à plus 10 euros déjà. Oh, j'en ai pris hein, quand même. J'ai réussi à la choper. Hein, le jour qu'elle a fait moins 72. Parce que le problème, c'est que ça finit toujours comme ça, Denis. Ça monte. Et puis à un moment, ça va décrocher. Et les mecs vont paniquer. Quand elle a fait moins 70, je suis rentré. Et j'étais tellement sûr de moi que j'hésitais à la partager sur mon salon. Même si c'est entre guillemets. Une merde, à moins 70, c'était évident qu'elle allait remonter. Elle a réouvert à 28 euros ou 29, j'ai pris. Derrière, elle est remontée à 70 quasiment. Mmh. Et en très peu de temps. C'est des trades cadeaux. Tu vois, j'ai même failli mettre une grosse somme dessus, mais je me dis non, calme-toi. Mais j'étais persuadé qu'elle allait remonter. Et ça durait quoi? Ça durait 5 minutes. 5 minutes après, elle a déjà repris 6-7 euros. Tu sais déjà que ton trade, il risque plus rien. Mmh. Et c'est pas facile hein, psychologiquement, tu rentres sur une action qui est à moins 70, mon gars. Et les mecs, ils ont payé hier 78 euros. Il y a un moment, ils vont forcément réagir, ils vont pas laisser faire. Tu vois, et là, c'est un peu le schéma général pour tout le marché aussi. Le marché, il est trop haut, il y a un moment, il faut purger. On a peut-être commencé vendredi, mais c'est pas suffisant. C'est loin d'être suffisant. Ouais. Moi, j'en connais certains qui attendent la purge depuis le mois de mai. Et en attendant la purge de mois de mai, tu auras toute la montée, quoi. Bah, c'est le même problème, c'est comme de la marche qui dit depuis 2010, le CAC qui est trop cher, c'est de la merde. Bah, depuis 2010, t'as raté toute la hausse. Oui, le niveau est trop élevé, mais moi, je continue à trader quand même. On est là pour ça, de toute façon. Je vais pas rester toute la journée à rien faire. Ben, il fait sa méthode, moi, je fais ma méthode. Ma méthode, c'est de trader continuellement, moi. Sauf, tu vois, quand je vois un risque. Bon, on dit, j'avais que 5 lignes, hein. Pas beaucoup quand même. Bah, overnight, ça veut dire overnight de jeudi à vendredi. Ouais. Depuis 2 semaines, avec Tino, on donnait plus grand chose parce qu'on ne voyait plus rien sur les graphes, puis on avait du mal à comprendre. Donc ça nous a donné raison. Donc j'avais aucun trade en partage contre le cas qui s'est cassé la tronche vendredi. Mais moi j'avais quand même 5 lignes. Bah, les 5 m'ont démonté. Hein. Je peux le dire, hein, j'avais du Alphamos, j'avais du Hackfit Media. Qui avait bien monté quelques jours, justement, parce qu'il avait dit le mot magique, NFT, tu vois. Et qu'est-ce que j'avais encore? J'en avais une troisième, je sais plus. Bah, je me suis fait démonter sur les trois. Tu vois, j'avais espéré un peu que les small étaient déjà tellement vendus qu'ils allaient un peu mieux supporter, qu'ils allaient vendre que le CAC. Penses-tu? C'est quand même un marché bien spécifique. Donc, on vit des journées sympas avec Ben. Bon, après, c'est vrai que moi j'ai l'avantage, du coup, comme je suis jamais en position, vendredi, des journées comme vendredi, je les vis mieux parce que j'ai pas de stress particulier, hein, j'ai laissé tomber. Moi, à la limite, je vais pas dire que ça m'arrange, la baisse ne m'arrange pas, mais c'est le retour de la volatilité qui m'arrange ou qui va peut-être m'arranger cette semaine. Moi, je vais pas me précipiter lundi, mais globalement, ce que je sais que je vais avoir, c'est de la volatilité. Tu crois qu'il y aura de la volatilité cette semaine pour les gens qui sortent en panique ou ceux qui rentrent à moindre coût ou... Demain, je suis incapable de dire quelle bougie on a, mais ce que je sais, c'est qu'elle va être grande, la bougie. L'amplitude entre le plus bas et le plus haut du jour. Non, mais il va y avoir de la volatilité. Ça fait 3 semaines qu'on a des bougies. On a sur le CAC, il y a quoi? Il y a 25 points de, 25 points de marge entre le plus haut et le plus bas du jour, pas plus. Bon, là, demain, tu sais que tu auras plus de 100 points, quoi qu'il arrive. Après, ce sera une hausse ou une baisse, encore une fois, j'en sais fichera rien, mais la volatilité va sans doute me donner des opportunités. Donc, je ne vais pas me précipiter, mais par contre, oui, je serai un peu plus à l'affût que les 3 dernières semaines, où globalement, je n'avais pas grand-chose à me mettre sous la dent. Tu répondais même au téléphone, ouais, depuis 3 semaines. Il regarde même des séries Netflix entre deux. Ouais. Il a le temps. Ouais, mais là, ce qu'a dit Ben, tout pour. C'est important ce qu'a dit Ben, tu vois, ne pas se précipiter. Et c'est pareil pour tout le monde. Hein. Ne pensez pas que dès que le CAC baisse, que le CAC baisse un peu, ça y est, c'est Noël, c'est les soldes. Non, non, non. Et je rappelle qu'on est encore à 6700, les gars. 6700, sans déconner. C'est pas les soldes. Et puis, hein. D'autant plus. Ouais, mais il n'y a rien. Il n'y a pas un signe noir. Il n'y a rien. Enfin, je vais encore me répéter.
C'est pas un signe noir là. Attends, mais... Oh, tout le monde sait qu'on va être confiné à Noël, vous le savez pas, les gars. Attends, il faut appeler un chat, quoi. Et là, tout le monde le voyait venir, ça. Un signe noir, c'est quelque chose dont tu ne t'attends pas. Bah, et ça, tout le monde le sait. Et c'est pour ça que moi, je pense que ça va pas corriger plus que ça. Pas corriger pas beaucoup. Après, le marché a pu se servir de ça comme prétexte, parce qu'il lui fallait un prétexte pour baisser. Mais regarde, quand même, moi honnêtement, j'étais pas si convaincu que ça, Denis, pas avec les vaccins, les machins, tout ça. Parce que n'oublie pas quand même, si on refait confinement, ça va encore reporter, les entreprises vont pas apprécier. Alors il y en a qui vont en profiter, comme d'habitude, les showrooms privés, enfin les actions Internet, machin, tout ça, mais... C'est quand même négatif pour l'économie à chaque fois qu'on le fait, je suis désolé. Donc, ouais, mais attends, c'est pas le but. Enfin, je sais pas, à partir d'un moment, je veux pas faire mon de Reaper, mais bon, plus j'avance, plus je vois qu'il a raison, quoi. Hier, j'ai vu Bon, on va pas parler de ça, parce que ça m'énerve. Non, mais je pense qu'encore une fois, il faut être plus froid que ça. Parce que là, ça on trouve c'est de la discussion de comptoir, dire « oui, moi je pense que c'est haut, moi je pense que c'est bas ». Le tout, c'est de savoir si ça a été un peu plus froid que ça et de se dire, s'il y a reconfinement, peut-être que du coup, il y aura re-aide, et re-aide, c'est replanche à billets, et replanche à billets, on reviendra sur un marché normal. Non, non, mais ce sera à nouveau bon pour les marchés, parce qu'à nouveau, les liquidités vont arriver dessus. Nous, c'est ça. Enfin, en tant que trader, après, on peut avoir des avis personnels de manière générale, mais en tant que trader, il faut pas, on s'en fout de notre avis. À force de balancer tant de pognon sur le marché, à force de balancer tant de pognon sur le marché, à partir de quand les mecs vont dire et pourquoi ils donnent pas de l'argent aux enfants qui meurent de faim en Afrique? Non, mais oui, les mecs, à un moment, ils vont se réveiller, peut-être, je sais pas. Non, mais c'est une très bonne question. Mais là, on sauve les entreprises du Covid. Par contre, l'autre jour, à la télé, il y avait la Croix-Rouge qui faisait une pub « Donnez 5 euros pour sauver les enfants ». J'avais envie de dire « les gars, réveillez-vous, quoi. Oh, coucou ». Non, mais là, on revient à la psychologie. C'est que ce que tu dis, c'est le jour où le marché va décider de le prendre en compte. Ouais. Un jour, peut-être, effectivement, le marché va dire… va réaliser que ces injections de liquidité font que la monnaie vaut plus grand-chose. Voilà. Et les cryptos. Et ce sera... Oui, mais de la même manière qu'en 2008 avec les subprimes, tout le monde le voyait, tout le monde le savait, et puis ça continue de monter pendant des mois et des mois et des mois. Et ça a basculé d'un jour à l'autre, quasiment. Ah, parce que maintenant, depuis je ne sais plus quand la date, j'ai lu ça cette semaine, avant, la planche à billets, pour faire marcher la planche à billets, il fallait avoir l'équivalent or dans ses caisses. Maintenant, non. Maintenant, tu appuies sur le bouton, tu fais print et puis tu fais tourner l'imprimante. Hein. Depuis qu'il y a les cartouches interchangeables et tout, c'est fini, quoi. C'est quand même... On arrive à un moment vraiment où c'est pour ça... Même l'année 2020, c'est à se demander... C'était tellement facile de gagner. Mais tu dis, mais quelle est la valeur de l'argent, quoi? Quelle est la valeur de l'argent? Et c'est pour ça que moi, je rentre un peu dans les cryptos parce que je pense qu'il y a peut-être un avenir là-dedans, quoi. Il ouais, faut être bilingue dans les cryptos. Non, c'est possible. Il faut qu'on arrive à comprendre qu'on regarde tes vidéos, ouais. Denis. Nous, on est avec Ben, il y a l'infrastructure très juste. On est des has-beens, nous. Ah, bah, il n'y a que des jeunes. Attends, moi, je vais interviewer un gars. J'ai parlé avec lui aujourd'hui. Alors, je l'ai appelé. Le gars, c'est un Espagnol qui a monté une boîte de crypto. Il a 19 ans. Il fait une grande école à Toulouse en anglais. Et là, cette semaine, il est en Angleterre, il donne des conférences pour des mecs qui sont plus vieux que lui, quoi. J'en entends beaucoup, hein, de mecs de stage-là qui sont dans le minage, tout ça. Non, mais le mec, il donne des conférences à l'université en Angleterre, quoi. Et je vais l'interviewer dimanche prochain, normalement, on a mis les choses au point. Mais c'est un truc de fou, quoi. Ouais, s'ils voient nos vidéos, ils nous prennent pour les deux vieux du Muppet Show, je pense. Ouais, je... Moi, mais je lui dis, ouais, mais moi, j'ai dit, vous êtes tous des jeunes dans votre boîte. Je dis, non, non, non. Il me dit, non, non, il y en a un qui a 40 ans. Je dis, d'accord. Mais si tu veux, nous, on reste sur ce qu'on sait faire. Ouais. C'est toujours le débat. Tu vois, là, comme tu disais, on essaye de comprendre ce qui se passe, tout ça. Mais moi, c'est parce que je privilégie toujours les graphes et l'analyse technique et que je suis pas trop fondamentaliste dans l'absolu. Parce que tout est dans les graphes. C'est tout. Même si des fois, il y a des choses illogiques. Le Airbus, voilà, c'est une opportunité graphique, on l'apprend. On essaye de comprendre, mais on refait notre travail de base derrière. Voilà.
Et les cryptos, moi, ça veut dire qu'il faudrait que je recrosse C'est tout, du que je graphe, refasse hein. tout. C'est du graphe, les cryptos aussi. Ouais, mais l'autre fois, Ben, il m'a dit un truc très juste. Il y a tellement de volatilité sur les cryptos qu'au final, t'es obligé de prendre une pause. Si t'es conscient, encore une fois, de prendre une pause quand même assez limitée. Tu prends une pause un peu plus grosse sur les actions, à fait 10%, t'auras la même chose en termes de gains. Voilà, c'est Ouais, mais tu tout. fais pareil, alors tu prends une pause encore plus grosse sur les big caps et tu feras les mêmes gains. Bah, c'est ce que j'essaye de Encore faire, faut-il Denis. l'avoir, la pause encore plus grosse. Ah bah tu prends un levier, parce que sur les big caps, tu vas prendre un levier. Remarque sur les cryptos aussi, hein. Ouais, mais J'étais en levier 40 sur un truc super, super volatile, c'est fait. Et t'as vu ce qui s'est passé la première fois que le BTC il est revenu à 30 000, c'est ça, à peu près? Bah derrière, tu vois 750 000 comptes qui ont sauté. Voilà. Ah, parce que les cryptos, en fait, le trading, c'est la face submergée de l'iceberg. Exactement. Alors, tu as Parce le que c'est vrai. farming, tu as tout ça, le staking. Hier, j'ai lu un truc, ça s'appelle, je ne sais plus du nom, l'OM. Les mecs, ils te proposent 7000% à l'annuel. Un annuel de gain. Mais c'est un truc. Enfin. Mais bon, ça existe. Ça existe. De toute façon, tu sais, pour des vieux comme nous, Denis, il faut que tu mettes des sous-titres en dessous quand tu fais des vidéos sur les cryptos, Ouais, parce je vais essayer. que nous, on comprend rien. Ouais. Mais tu vois, on n'a pas honte de le dire, on sait pas tout sur tout. Voilà, moi, tu me parles des actions, tout ça, ouais, c'est notre truc. Les cryptos, je sais pas tout sur tout. De toute Les façon, cryptos, j'en c'est sais comme très très peu. Internet, de toute façon. Il y a 200 000 boîtes et il y aura 4 boîtes qui en sortiront. Et puis les 4 boîtes, c'est celles qui dirigent le monde maintenant. Google, Amazon, Facebook, Ça, c'est ça. Et les franchement, cryptos, ce sera ça dans 20 ans, hein. Il y a le 20 000 schéma boîtes est maintenant, toujours il y le en même. aura 5 qui existeront. Et Y aura tout, les le schéma 5 est toujours le vont. même. Ouais. Mais de toute façon, on verra. Peut-être que ne serait-ce que c'est par culture, tout ça, parce que les gens, des fois, me posent des questions. Je suis peut-être m'y intéresser, mais honnêtement, c'est pas mon objectif. C'est pas mon Mais en objectif fait, encore. les cryptos, ils sont en train de refaire la finance en décentralisé. Alors la finance, nous, en tradant, on connaît 0,0001% de ce qui se passe derrière, avec les dérivés, les prêts, les trucs. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Il faut être... Mais tu sais, c'est comme sur le marché, on sait pas tout, hein. Nous, on n'en sait qu'une partie de mission. Si on savait tout ce qui se passe derrière, toutes les manipulations, comment que c'est orchestré, mais à mon avis, on deviendrait dingue. Je deviendrais dingue. T'as vu comment que les algos fonctionnent tous ensemble? Ils vont rarement les uns contre les autres. Tout est orchestré, c'est bien fait, tout est schématisé. Toi, c'est tellement bien foutu, mais après c'est ce qui nous permet également de que l'analyse technique fonctionne. S'il n'y avait pas d'algo, l'analyse technique marcherait pas. C'est ça, hein, qui fait. Donc je les déteste, tu vois, autant que je les aime, parce qu'ils me font chier toute la journée sur les carnets d'ordre, ils me pètent les couilles dans les mouvements, mais l'un dans l'autre, c'est pour ça que les points sont respectés. Quand tu vois une action qui décroche, si tu regardes bien le point bas, t'as toujours un support. Les mecs, ils n'envoient pas nu, ils n'envoient pas sur un point bidon. Ouais, mais si t'as un graphe qui est un arbre de Noël, à tous les niveaux, t'as les supports, C'est vrai, mais après à toi d'avoir l'environnement, le bon environnement, que c'est pas trop saturé. Ah, bah voilà, ça devient intéressant. Alors, comment on fait? C'est quoi ton environnement, Je Michael? On va y arriver quand même, hein? le donne pas déjà sur mon salon, alors je vais pas le donner là. Oh, une petite Mais exclusivité pour Pépitor, Mika! non. Allez! Mais j'ai déjà dit, de toute façon, il faut. Tu vois, je m'aperçois d'une chose quand même, c'est que plus je parle avec les gens, certains connaissent un peu ce que j'utilise, et malgré que je leur explique, ils l'utilisent pas eux-mêmes. Non, Donc tu vois, dans qui est une l'absolu, erreur, ouais. ça veut dire qu'au final, il faut trouver ce qui te correspond. Des fois, je montre des trucs, les gens sont pas forcément convaincus parce que c'est pas leur façon de procéder, c'est pas leur façon de faire. Il faut trouver ta méthode. Donc je me dis, quelque part, si j'avais mangé ma méthode, peut-être qu'elle n'aurait pas fonctionné parce qu'elle n'aurait pas correspondu à, enfin, ça collait pas avec les gens. Je sais pas, à savoir. Moi, elle me convient. Hein. Les résultats sont là, je les montre. Mais regarde Ben, il a un écran 1,2 pouces, il Non, a deux moyennes monochrome, mobiles, monochrome. il a deux moyennes mobiles, mais il s'emmerde pas avec 5 écrans, et Ouais. pourtant il gagne le mec. Et on Donc l'a je écrit en l'explique. papier en plus, pour marquer les. Ouais, non, bah je prends ce qui m'intéresse, ce dont j'ai besoin pour ce que je fais, j'en reviens toujours à la même chose.
Je fais en sorte de ne pas avoir besoin de grand-chose en termes d'indicateurs. Et paradoxalement, quand tu parles avec tout le monde, quelqu'un comme Christophe, quand même, qui a, c'est un petit jeune qui commence, mais bon, il est pas mal. Mais il n'arrête pas de me dire, c'est Ben qui l'a le plus influencé ces deux dernières années, quoi. Bah, c'est un cas, hein, le Ben, de toute façon. Je ne connais pas d'autres comme lui. Hein. Il n'y a que lui, hein, qui est comme ça. Mais je me suis arrêté une fois chez lui en venant ou en partant de Grenoble. Il trade sur sa table de jardin avec son iPad. Il a même temps de faire à bouffer. Hein. Et c'est impressionnant. Hein. Et puis après, il te rentre. Oh bah tiens, je suis rentré avec 60K là-dessus, tu vois. Non, mais ouais, mais je m'en tiens. Bah, toujours pareil, je m'en tiens à ce que je sais faire. Hein. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai pas rebondi, mais on parlait de money management, tout. On entend souvent parler de ça, des règles de money management, parlant de pourcentage de taille de ligne maximum. Et c'est vrai que ça, tout ça, ça me parle pas non plus. J'estime pas avoir un mauvais money management, et pourtant, si je m'en tenais à des lignes de 3% de mon capital maximum, je gagnerais pas ma vie, en fait. Parce que toi, tu coupes tout de suite, de toute façon. Tu sais que tu sors, tu ne perdras jamais plus de 3% du capital. Les vérités pour certains ne sont pas la vérité pour tout le monde. Je ne pense pas à prendre plus de risques qu'un autre sur les marchés. Et pourtant, oui, j'ai des grosses tailles. Et pourtant, oui, des fois, ça représente une grosse partie de mon capital. Mais voilà, il y a des autres choses en contrepartie. Je ne reste pas longtemps. Je ne fais pas sur n'importe quelle valeur, pas à n'importe quel moment. Donc, il faut effectivement, quand on veut se former, connaître ses règles fondamentales et puis après, savoir les adapter et les mettre à sa sauce. Il n'y a pas une vérité absolue pour tout le monde. C'est pour ça que oui, effectivement, la méthode de Mika, comme bien même il donnerait ses indicateurs, il y en a 80% qui ne sauraient pas quoi en faire ou qui ne seraient pas gagnants avec. Ça sert à rien. C'est exactement. C'est la psychologie. Moi le premier, hein. Non, mais moi le premier, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que j'en ferais? À un moment... Comme des 6 écrans, je te reprends aussi. Tu dis à chaque fois, je te reprends quand même chaque fois, mais tu y reviens. Tu me fais dire qu'avec 6 écrans, je gagnerais plus. Non, je n'ai aucune garantie que je gagnerais plus avec 6 écrans. Par contre, je serais peut-être influencé pour changer de méthode en me disant « Ah, bah, avec 6 écrans, peut-être que je peux faire plus de trucs et que je deviendrais moins bon, du coup. » Parce que j'irais sur des trucs où je suis moins bon. Là, un écran, ce n'est pas pour le plaisir de dire « J'ai qu'un écran. » C'est parce que je sais que ce que je fais, je n'ai pas besoin de 2 écrans pour le faire. Tu vois, c'est pas... L'idée n'est pas de... voilà. Ouais, t'as fait quand même... Du coup, on arrive sur l'intérêt des formations, si tu regardes bien. Au final, les formations te donnent des bases, mais elles ne te donnent pas les bases pour gagner, voire elles ne te correspondent pas. Combien de personnes qui ont fait des formations et au final, ça ne donne rien ou qu'elles n'en sont pas satisfaites? Ouais, il faut que ça serve effectivement de base de lancement. Avoir quelques notions quand même de fondamentales, c'est quand même pas mal. Avoir des notions d'analyse technique, c'est bien aussi. Mais être un grand spécialiste de l'analyse technique, ça te garantit pas le succès. Enfin, je veux dire, quand tu me demandes comment est calculée une Bollinger, je suis un foutu de te répondre. J'ai dû le lire quelque part durant toutes ces années, mais je m'en souviens plus depuis bien longtemps et puis je m'en fiche. Par contre, je sais l'utiliser. Si Bollinger, c'est anglais, c'est pour ça. Ou même les moyennes mobiles, Ah oui. Le tout, c'est de savoir servir de 2-3 trucs, pas d'être un spécialiste obligatoirement dans les autres. Par contre, je pense qu'effectivement, on en revient à ce qu'on disait au tout début, la psychologie fait le reste, quoi. Alors moi, j'ai fait une formation, j'étais toujours... Je pensais toujours que ça servait à rien. J'ai fait celle de Vincent, de Van Fibo, qui m'a invité. En fait, le multi-time frame, etc., pour moi, je croyais que je le faisais. Et en fait, il m'a appris qu'en fait, je savais ce que c'était, mais que je m'en servais pas, en fait. Et il m'a tout remis dans l'ordre, en fait. Je savais tout. Mais il m'a tout remis dans l'ordre. Moi, je faisais 1, 4, 6, 9, 12, et lui m'a fait 1, 2, 3, 4, 5. Et quand on fait 1, 2, 3, 4, 5, ça marche. Et tu vois, comme de ce que je te disais, le partage et le partage avec les gens, les échanges. Ça, par contre, ça fait progresser. Et les gens, du coup, sur mon salon, ça m'a fait plaisir, parce qu'ils m'ont dit qu'ils ont progressé comme ça. En regardant comment je fais, même si, tu vois, si je vais pas trop loin dans l'analyse technique, si je ne manque pas mon environnement, en me voyant faire au quotidien. La façon de trader, de réagir, de couper ses pertes, etc.
Ouais. Tu vois, donc, heureusement, il y a X façons de progresser. Moi, je suis toujours David, je suis toujours abonné à David Ronan. Mais je prends quasiment aucun des trades qu'il partage. Par contre, ils mettent d'une autre manière. Tu vois, sa vision fondamentale, etc. Je gère son abonnement d'une autre façon. Je le rentabilise comme ça. Ah ouais. Moi, je vous aime bien, mais quand même, David, c'est David, quoi. Alors lui, il fait de l'intraday, du long terme, de l'investissement. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Je sais pas comment il fait. Hein. Moi, je sais pas comment il fait. Hein. Il peut te faire de l'intraday, il peut tenir des positions, il te fait du fondamental, il te fait du technique, il te fait tout, quoi. Impressionné. Mais je suis pas convaincu qu'en fait, il faille quand on veut se lancer dans le trading ou quand on en fait déjà et qu'on n'arrive pas à être gagnant, qu'on aimerait devenir rentable. Il faut pas chercher justement à se comparer à quelqu'un qui est capable de tout faire, qui est très fort partout. J'en reviens encore une fois, si on veut essayer de gagner le plus vite possible, il vaut mieux essayer de se concentrer sur quoi on est bon soi-même. Au lieu d'essayer de vouloir être bon partout, surtout, tout de suite, ce qui est à mon avis quasiment impossible, il vaut mieux essayer dans un premier temps de définir ce sur quoi on n'est pas trop mauvais et d'abord essayer de se concentrer là-dessus. Et c'est bien, bien plus tard qu'on peut essayer de se lancer dans ce que fait Mika aujourd'hui, essayer de vouloir être bon dans d'autres choses, etc. Et puis alors, le Graal, effectivement, ce serait d'être bon partout comme lui, mais ça ne sera pas pour tout de suite et ce n'est pas donné à tout le monde, à mon avis. Ouais, parce que normalement, quand tu fais tout, tu ne fais rien. Oui. Et lui, il arrive à faire tout et il fait tout, quoi. Oui, oui, mais combien de qualités il faut, combien d'années d'expérience, combien de... Ouais, par contre, il reste que sur les actions. Hein. Il fait pas autre chose, ah oui. David. Il fait pas de crypto, il fait pas de... Ouais, non, mais il fait du Habig, de la Small, ouais, des US. Tu vois, il s'est spécialisé que sur les bio, parce qu'il sait que tout n'est pas possible. On peut pas suivre tout, tu vois. On pose une question, et si on est bon à rien, ça dit quoi? Si on est mauvais ouais. Bah, après, je pense qu'effectivement, tout le monde n'est pas fait non plus pour le trading. Mais par contre... Ça, c'était Inchi qui me l'avait dit. Je ne sais pas si c'était une indirecte, d'ailleurs, il y a 2 ans. Il m'avait dit, tu sais, il y en a qui n'arriveront jamais, quoi. Il y en a qui ne sont pas faits pour ça. Pour plein de choses. Mais par contre, je pense que le taux qu'on voit passer partout, les 80% de gens qui perdent en bourse, je pense que ce taux, on peut quand même le faire diminuer en se formant un peu, effectivement. Encore une fois, en se définissant bien et en se concentrant sur une certaine partie du trading et pas sur tout. Donc oui, tout le monde n'est pas fait pour gagner en bourse peut-être, mais il y en a peut-être plus qu'on croit qui seraient capables de devenir profitables en se concentrant sur les bonnes choses, définissant d'abord et après en se focalisant sur une partie, pas vouloir partir dans tous les sens, sur tous les supports, sur tous les... à mon avis. Et après, il faut identifier ses points faibles, tu vois, parce que là cette année, il y a pas mal de gens qui sont négatifs. Alors, le marché est... Quand tu es en perte, tu vois, il faut arriver à dire déjà si c'est toi le problème ou si c'est le marché. Cette année, le marché est grandement responsable. Mais tu vois, il faut essayer de chercher également si le problème ne vient pas de toi. Je sais qu'il y en a, par exemple, qui traitent sur les US. Les US, globalement, est quand même moins dans le si, entre guillemets. Si tu as des pertes, il faut arriver à trouver pourquoi. Il faut trouver la cause. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. La plupart du temps, c'est que les gens ne veulent pas couper leurs pertes déjà. Ils gardent moins 10, moins 15, moins 20. Faut faire des stops courts, faut mettre un stop loss maximum. On le rabâche, mais c'est toujours pas fait. On le voit encore trop souvent avec Ben. On le voit trop souvent. Ouais, il faut avoir beaucoup d'autocritique, pas toujours mettre ça sur le dos de la malchance, etc. Être capable de dire que parfois il peut arriver qu'on perde par malchance, ça peut arriver. Mais c'est sûr que la plupart du temps, il faut aussi être capable de dire ouais, j'ai simplement été mauvais ou je suis tout simplement allé sur quelque chose qui me correspond pas. Moi, j'ai aucun problème. C'est à longueur de journée que j'en rigole, que je dis mais qu'est-ce que je vais foutre là-dessus, je sais très bien que là-dessus je suis pas bon, quoi. Ouais, mais t'as de l'expérience et tu sais que je suis rentré, ouais, mais qu'est-ce que je fais là-dessus, tu sors tout de suite, c'est ce que tu m'avais dit, c'était vendredi ou jeudi, tu disais je suis rentré, je suis sorti tout de suite parce que c'était pas moi, quoi. Bon, c'est pas ça, c'est ouais, pas toi qui me disais ça, je sais plus. Je sais pas, mais en tout cas, on est tous humains. Il y a des moments où on s'emmerde, on finit par aller sur un truc. On sait que c'est quasiment peine perdue, mais on y va quand même. Des erreurs, on en fait. Hein. Et puis des fois, c'est aussi pour
en contrepartie quelque chose. Peut-être que j'y vais pour rien, peut-être que je vais perdre un petit peu d'argent, mais d'un autre côté, ça m'occupe, d'un autre côté, ça me permet de jauger encore le marché. Bon, on peut essayer de trouver quand même des raisons, mais globalement, il faut quand même être conscient que voilà, certains trades, on y va, mais on ferait mieux de ne pas y aller. Et d'autres, où par contre, là, je sais que c'est mon truc, c'est ce qui me fait avancer, donc là, je dois y aller, j'y vais, c'est Ça là que ça se fait joue, quoi. plusieurs interviews que tu dis toujours la même chose. Tu dis je rentre même si je sais que je vais pas gagner. C'est pour jauger le marché, pour prendre la température. Comment tu jauges le marché? Tu prends la température en fait. C'est quoi? C'est la volatilité? C'est les échanges? C'est les réactions? Comment ça se passe? Ouais. Comment tu jauges ça? Ouais, parce que même si c'est pas mes configurations préférées, si je rentre malgré tout, c'est quand même que j'ai détecté un petit quelque chose. Et ça me fait sourire parce que souvent, je me sers de Mika maintenant. Au moins, ça me permet de pas le faire moi. Quand plusieurs fois dans la journée, je l'entends dire, putain, je suis à peine rentré que 10 secondes après, j'ai pris un scud de 3%. Ben là, tu vois, tu sens que le marché, il est lourd, que tu as des mecs qui tirent derrière toi direct. Et quand je l'entends redire ça deux, trois fois dans la journée, tu vois, ça me fait tilt. Je me dis, tiens, bah, tu vois, voilà, ça, c'est typiquement le genre de jour ou de marché qui sont dangereuses et tout. Ça m'aide un peu à être un peu plus patient, à pas y aller par moi-même. Mais de temps en temps, t'as quand même besoin de juger par toi-même. Hein. Donc j'y vais, je regarde, et effectivement, c'est quand je sens que ça part pas tout de suite. À chaque fois, t'as pas de volume qui te suive, t'as rien, tu sais, t'as un tout petit support qui peut être cassé, tu dis allez, j'y vais, je vais voir, et tu vois que personne te suit derrière. Bon, bah là, Bon, on tu y sors. va, vous êtes tout. Ouais, bah ouais. Autant parfois, tu sais, tu casses, t'as à peine un tout petit breakout, tout de suite, ça arrive en masse, et puis d'autres fois, tu sens que t'es tout seul, quoi. Donc, et ça, si tu fais que regarder, tu t'en rends pas réellement compte. Parce que le côté psychologique, il n'est pas le même quand tu es dans l'action ou quand tu es en dehors, simplement tu la regardes. Tu as besoin d'aller voir par toi-même. L'autre fois, c'est Mika, l'autre fois, j'entendais parler de ça, quand il reparlait de David, justement, c'était par lui qu'il avait appris à faire les breakouts et tout ça. Et en fait, hein, tu me reprends, hein, tu me coupes si je te dis des Non, non, bêtises. c'est exact, David qui m'a fait qui m'a convaincu. Et où tu disais, mais oui, je voyais bien qu'il avait raison, mais à un moment, il a fallu que j'y aille par moi-même pour me rendre compte que c'était vrai. Et c'est pas qu'il lui faisait pas confiance ni quoi que ce soit, mais quand à un moment, tu vas pas juger par toi-même, c'est comme ça que tu arrives à te convaincre des choses et à te mettre à faire certaines choses que tu faisais pas avant. Il faut le faire par soi-même, il faut y aller, il faut y juger par soi-même. Ok. Très intéressant tout ça. Ça fait une heure qu'on discute, on va peut-être Ah, est-ce qu'on va encore faire une vidéo de 2 heures, Denis? peut-être d'autres choses à faire, Bah, ouais. il faut qu'on regarde les futurs et ce qui va se passer demain. Putain, et en plus, il faut se lever à 4 h du matin voir ce que va faire le Nikkei. Putain, c'est du Non, on se lève pas boulot. si tôt quand même. Ah bah vous avez de la Mais chance, vous, faut que les gens, en ce moment, ils soient prudents, qu'ils se précipitent pas à l'achat, on leur dit, qu'ils jaugent un peu le marché, qu'ils prennent leur temps. Et il faut bien sélectionner ces trades-là. Il y avait un trade par exemple qui était très propre, c'était le breakout sur Valneva, là, tu vois, je l'ai sous les yeux, la zone à 22 et quelques. Celui-là, tout le monde l'avait vu à peu près. Tu vois, il y a toujours un trade propre. Il faut arriver à trouver ce trade-là et se focaliser sur celui-là. En regardant la configuration graphique, hein, quand tu vois vraiment un point bien net qui a été tapé 5, 6, 7 fois, tu te dis, ah, normalement, il n'y a pas de raison qu'il passe pas. Donc, qu'ils ne se précipitent pas, qu'ils prennent leur temps, qu'ils arrêtent également de garder les actions avant les résultats. Hein, en ce moment, ça sert à rien, c'est un massacre. Donc c'est pas la peine. faut Et puis acheter qui la dit mais rumeur et vendre la nouvelle. voilà. Et qui Bon, et dit puis mais pour je le faisais déjà pas avant moi, mais et qui diminue leur taille. S'ils voient que y a trop de pertes à la suite, qu'il y a trop de trades perdants, qui diminuent les tailles, voire qu'ils arrêtent tout simplement de trader. On leur rabâche aussi, hein. Ne pas trader, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Quand il Ouais, n'y a puis pour rien, ceux qui sont on pour ceux qui sont ouvre les portes ouvertes là. Hein. bah ouais, Non, mais mais c'est toujours pas fait, ouais. Denis. C'est toujours pas fait. S'il y a encore des, c'est parce que c'est pas encore appliqué. On le rabâche, mais c'est pas appliqué. Mais encore une fois, tu vois, c'est parce que c'est une question psychologique. Pourquoi les gens ils veulent pas perdre parce qu'ils ont, enfin, qu'ils veulent pas vendre à perte parce qu'ils ont toujours l'espoir que l'action remonte. Toujours. On passe toujours en mode espoir. C'est l'être humain. C'est plus fort que nous. Alors après, t'as l'effet inverse. Moi, j'ai le problème inverse. C'est que moi, je coupe tout de suite. Ah bah, c'est-à-dire, tu coupes en perte ou tu coupes dès que ça monte? Ah, Tu les prends. deux. Les deux. Non, non, je laisse pas vivre le trade, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, Ah quoi. Je ouais. me perds dans le bruit, en fait. En bas, c'est pas très grave, Denis, mais en haut,
que dès que tu prends un trade, moi c'est ma méthode de base, tu vises un TP1 pour payer ton risque et tu gardes un putain de reliquat. Tu le gardes, ça y est? Tu gardes. Ah, mais je le faisais déjà avant. Là, j'ai quand même réussi à monter. Mais c'est pas encore suffisant parce que le marché est compliqué. Et voilà, mais c'était Valneva. Normalement, oui, Valneva, je devais garder un. Là, plus c'est de ma faute. C'est juste que je sais pas ce que j'ai merdé. Je devais garder un reliquat. Et sur le dernier TP, j'ai vendu tout, apparemment. Mais normalement, depuis les 22, ouais, j'avais gardé un reliquat. Sur le trade du salon que j'ai partagé, j'avais bien dit on garde 25%, tu vois. Des fois, ça arrive hein, que je merde, hein, comme le syndrome du gros doigt, j'ai toujours. Hein, des fois, je vais pour acheter, je vends encore. Inversement, tu te dis putain, mais il faut être J'ai con. fait ça l'autre jour sur DEGIRO. Vendredi, premier trading. Je sais pas ce qu'il y a. C'est qu'à chaque fois que tu viens, j'ai l'impression qu'ils mettent automatiquement l'un ou l'autre. Et je me dis, ah ben c'est bon, j'ai vendu la moitié de ma position. Je regarde, ah quand même. Non, mais j'ai acheté la moitié de ma position. Ça arrive encore. De toute façon, moi, je passe tellement d'heures. Ça m'arrive peu quand même, mais ça m'arrive encore. Faut pas rêver. Tu fais des aides, tu en fais. Le truc, si tu veux, c'est que je veux un pourcentage d'erreur limité, quoi. Voilà. Et vendredi, j'aurais dû finir positif. J'avais fait trop d'erreurs vendredi. J'ai mal géré ma journée. J'ai mal géré mes trades. Donc là, j'ai déjà fait des trucs. J'ai déjà mis des trucs en place pour corriger. Dès que je vois des trucs qui ne vont pas, j'essaie de corriger dans la foulée. Tu vois, ça Mais j'ai beau en faire depuis 20 ans, je fais encore des erreurs. tu notes sur un papier ou tu t'en souviens ou... Normalement, ouais, il faudrait noter sur un papier. À Montre-nous une ton époque, petit je le carnet faisais. spirale pour voir. Eh, gars, tiens, gars. Il faut le faire. Avant, il y a un moment, je le faisais plus. Mais là, vu qu'on s'écarte tout le temps de sa méthode et que c'est un combat contre soi de manière perpétuelle, bah, d'un moment, tu es obligé de te recadrer. Il faut. Alors, un Il combat faut, c'est contre que soi. ça. Un combat contre toi, je ne sais plus avec qui je parlais de golf. Hein. C'est avec toi, non? Ou de tennis, peut-être. C'est-à-dire Avec qu'en Ben, ouais. fait, tu as un geste naturel, que ce soit au golf ou au tennis, tu as un geste naturel qui est bon ou tu as un geste naturel qui est mauvais. Et que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, quand tu as un geste naturel qui est mauvais, tu reviendras toujours sur ce geste. Et il te faudra X mois. Pour désapprendre son geste, pour après apprendre à nouveau. Et est-ce que tu crois que c'est pareil en bourse, en fait? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont faits pour la bourse, qui sont formatés pour la bourse. À moi ou à Ben, tu poses la question. Aux deux. Moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que oui, il y a des gens qui ont des aptitudes plus que d'autres pour faire de la bourse, mais que même si on n'a pas ces aptitudes-là, ça n'empêche pas d'envisager quelque chose dans la bourse. Je pense pas être particulièrement doué pour la bourse, Ah, si, pourtant si, j'ai. si, Ben. Si, moi, je pense qu'il y a, tu peux, en fait, tu peux devenir, tu peux passer dans les gagnants, en fait, en travaillant, Denis. Tu peux passer dans les gagnants. De là en vivre, par contre, peut-être non, tu n'y arriveras jamais. Mais Ben, il a quand même quelque chose de spécifique, parce que c'est le seul gars que j'ai vu comme lui depuis 21 ans que je fais du trading. Parce que le gars, il arrive à se focaliser sur l'action où il faut être. Et là, c'est un œil. C'est quelque chose que tu as. Non, Tu c'est le l'as pas. palmarès. Ouais, mais au Non, bout non, de non, combien de temps, en fait? non, parce que même sur le palmarès, t'en as quand même toujours, Denis, t'en as 10, 20, 15. Ben, il est toujours là où il faut. Et avant, je dis, putain, mais comment il fait, le gars? Ça, c'est quelque chose qui est, honnêtement, je pense que c'est inné ou qui vient avec le temps. Mais Moi, c'est tu peux ça, pas plutôt l'expliquer. que ça vient plutôt avec le temps, plutôt qu'être inné. Ouais, mais il y en a qui Tu... l'auront jamais, Ben, au bout de 20 ans. Non, Ouais. non, non, tout à fait, mais ils vont pouvoir compenser par d'autres choses, en fait. Mais simplement, tu pourras pas faire le même type de trading, encore une fois, bah, il faudra peut-être passer sur un trading sur du plus long terme, etc. Où là, effectivement, bah, le point d'entrée sera moins important. Il utilisera d'autres qualités. Il sera peut-être plus patient, par contre, que moi. Et donc, lui, il sera capable de tenir pendant des mois et des mois un trade. Il Ça, c'est sera comme gagnant la peut-être vie, d'une hein, en autre fait, manière. hein. C'est comme la vie, Oui, hein. bah, tu prenais l'exemple du tennis. Tennis, tu as des gens qui sont naturellement offensifs et des gens qui sont naturellement défensifs. Donc, tu en as qui aiment bien attaquer, tu en as qui aiment bien Ouais, mais le défendre. pire, c'est qu'il y a des Et gens ça qui sont n'empêche pas les deux de défensifs gagner. et qui veulent attaquer, quoi. Ça existe aussi. Et à mon avis, c'est ça le problème. Ouais. C'est celui qui est foncièrement défensif dans son esprit Ouais. et qui veut être agressif. Ou comme le mec est Mais super fort en revers et qui veut toujours taper sur le coup droit, quoi. Oui, voilà, bah, c'est bien ça, hein. Et ça C'est vient pour de ça que quoi? je Ça dis que vient que c'est la hyper personne ne important de se se connaisse définir. pas, que la personne ne se connaît pas, et où est-ce qu'on peut Ben, il la faire accepte, entendre enfin? peut-être qu'il refuse de reconnaître que son point fort n'est pas là, il est ailleurs.
Ou peut-être qu'il veut donner priorité à se faire plaisir. Quelqu'un qui a envie de taper en coup droit, même s'il est nul, si à un moment il prend du plaisir à le faire, il peut le faire. Ouais. Mais là, quand on parle de trading ou d'en vivre, là, tu peux pas vraiment raisonner comme ça, quoi. C'est bien obligé de dire. J'adore la contre-tendance. J'adore la contre-tendance. Ouais, c'est ça. Et j'y vais tout le temps. J'adore perdre de l'argent. Ça marche un moment, et puis au bout d'un moment, t'as un coup de fil du banquier, quoi. Ouais. Ok. Donc, ouais, apprendre à se connaître et se construire en fonction de ça, quoi. D'accord. Super. Donc voilà, on m'avait chauffé un peu pendant tout le temps, donc je ne sais pas si Tino va être d'accord, mais je pense que tu le savais, Michael, hein, non, sur la formation Tino. On va proposer sur Pépitor la formation de Tino et avec du coaching pour janvier. Donc voilà, on devait annoncer ça dans 15 jours. Eh bien, c'est fait. Voilà. Donc merci, Mika. Tu m'as bien chauffé quand même, là, je ne voulais pas le dire, mais bon. Je pouvais pas là, je pouvais pas là. J'ai pas fait grand chose. Oui, évidemment que je suis au courant. Ah ouais, évidemment. Bah c'est normal, ouais. Honnêtement, il y a des gens qui me font kill comme ça. C'est des gens que je vois comme ça. Il y a eu Christophe, il y a eu David Renan, que je dis déjà 50 fois. Tino, quand il est venu sur le salon, c'est pareil, ça m'a fait tilt. Et en général, là je vais me vanter un petit peu, j'ai l'œil pour voir les gens qui tiennent la route ou pas. Et il y en a beaucoup de connus sur Twitter qui tiennent pas la route. Hein. Donc voilà. Je dirais pas les noms encore une fois, mais peut-être qu'un jour, si, parce que ça commence à me chauffer, parce qu'il y a des gens qui devraient pas, qui sont pas à leur place. On va dire ça comme ça. Voilà. Il y a des gens qui sont pas à leur place. Et forcément, quand vous suivez des gens qui ne sont pas à leur place et qui sont, entre guillemets, soit mauvais, soit qui vous manipulent, parce qu'ils vous gagnent du fric en vous vendant des merdes, forcément, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Voilà. Ce sera la. Le mot de la fin. Ok, ben merci à vous deux. On essaye de se revoir fin d'année ou début d'année prochaine pour faire un petit résumé après, tout après ça. Après tes cryptos, Denis. Quoi. Oh mais là, je suis vraiment dedans. Mais c'est même pas le trading de crypto, hein. C'est l'univers crypto en fait. C'est l'univers crypto. C'est pas le trading parce que le trading. Ah mais de crypto, je sens bien en fait... que t'as bien accroché. T'es à fond dedans là. Putain, je me suis fait un dictionnaire, le cronload, le staking, le farming. Là, j'ai regardé un truc sur l'Olympus, mais alors la théorie du 3-3. Non, j'en ai pas dormi cette nuit. Donc faut regarder. Si vous avez 5 minutes, regardez ça, l'OM avec la théorie du 3-3 où on vous offre des rendements de 7000% et j'ai rien compris. Enfin, je regarde ça encore ce soir. Ouais, puis, voilà. Nous, on va déjà se concentrer sur la journée de demain. Hein, d'accord. Ouais, je pense qu'il y a largement de quoi faire. Ouais, pour demain. Je vais essayer de défendre mes quelques pauses qui me restent et puis on va essayer de souper quelques excès baissiers. Et puis voilà. Alors moi, j'ai gardé mes Novacites parce que, comme je disais, j'avais pleinement confiance sur les médias internationaux du week-end qui allaient faire monter la sauce. Hein, parce qu'il faut vendre du papier, donc il faut... Et puis, quand on fait vendre du papier, ça fait monter Alnov, quoi. Voilà. On va voir comment on s'en sort demain. Ok. Donc, merci à tous. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, laissez vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et faites sonner la cloche. Voilà, merci à tous. Allez, salut tout le monde. Ciao, ciao. À bientôt.